Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On réessaye notre petite phase d'infiltration. Cette fois, donc, j'ai passé tout le monde en embuscade et en courir à fond. Je vais aussi désactiver les armes de tout le monde, parce que j'ai pas envie qu'ils s'arrêtent 2 secondes et qu'il y ait un tir malencontreux qui parte. J'ai pris aussi les Alastres 2 à la place de Shobby Snipey, pour pouvoir... Ah, j'avais jamais fait gaffe qu'on voyait leur victime ici. Pour pouvoir, du coup, tout simplement profiter du fait qu'ils ont une case de camouflage en plus par rapport au sniper du mouvement. On va réessayer la même chose, on va se rendre sur la route. Une fois qu'on sera sur la route, on essaiera de traverser ici. Normalement, c'est plutôt calme. Hein. Si on attire personne, la dernière fois c'était vraiment le fait d'avoir attiré les chiens qui avaient foutu la merde. Mais il y avait quand même des chiens qui attendaient ici, donc on verra. Si jamais c'est vraiment trop chiant ou que ça passe pas, j'essaierai une stratégie différente, c'est-à-dire que je ferai l'aller-retour avec le MV pour transférer les troupes. On va aussi désactiver les armes d'Ardarin, histoire d'éviter qu'il avoine une petite roquette sur un truc qui passe. Sachant que cette fois, j'ai décidé de désactiver la caméra. Donc, on va perdre la vision. Mais eux aussi. Et on peut a priori sortir du petit truc et revenir éventuellement. Mais ils ont quand même une belle vision avec leur lance-roquette. Donc, s'il y a des trucs qui passent sur la route là, ce serait gênant. Allez. On va essayer d'aller jusque directement tout là-bas, sans s'arrêter. Essayez d'aller un peu plus sur la route, vous. Parfait. Probablement révéler du monde, mais si on est discret, ils devraient pas nous voir. Normalement, il y a surtout les araignées là qui traînent ici. La dernière fois, ils nous avaient pas vus, hein. C'était le fait que Shobby Snipey et décidé de balancer un petit coup de snipe en courant qui avait foutu le bordel. Donc cette fois, on va espérer que ça passe. Si ça passe en courant, on est bien. Si ça passe en rampant, ça va être beaucoup plus long et j'ai peur qu'il y ait plus de mouvement. Ouais, donc là, il y a une araignée. Putain, elle nous a vu. Merde. Elle nous a vu. Ça, c'est chiant. On a une hit. Allez, te rate pas. Ah putain. Ok. D'accord, donc ça ne marche pas. Alors cette araignée là, elle n'était pas là la dernière fois, je sais pas d'où elle sort. Mais du coup, c'est quand même le bordel. Niveau infiltration, ça marche pas très bien. Alors épée, bouclier, le mode par défaut, donc on va se mettre comme ça. Et du coup, on va tirer. Alors ouais, du coup, elle a attiré tous ses copains. On va se planquer derrière là. Là, au sol. Ici, au sol également. On va essayer de se débarrasser. Ah oui, alors du coup, il faut que je réactive quelques armes parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas tirer, bien évidemment. C'est marrant, ils ont des smokes, mais j'ai pas la compétence. Non, essayez de vous shooter ça, vous. Et là, tirez là-dessus. Là, on est à portée de cette saloperie. Voilà, ça c'est fait. Excellent. En termes de hit, ouais, t'as une belle portée, tu pourrais te poser par là et allumer l'autre. Et là, puisqu'ils font chier, on va essayer de se les faire. Attends, on a perdu un membre d'équipage ici, forcément on se fait allumer. Hein. Ah putain, on est en flamme. On a un petit peu trop souffert des tirs. Ok, au sol. Oh, putain, c'est vrai qu'il y avait eux aussi. Merde. Azul, il s'est fait défoncer le cul, Azul.
Allez, du coup, en plus, on a perdu le mec qui portait... Oh, putain. Il y a la plateforme d'appui de feu qui est là. Non, essaye de la shooter, là. Tu fais quoi? Ding. On se fait défoncer le cul. Toi. Shoot-nous ça. Et pourquoi toi tu veux pas tirer là? T'as un angle, il a un angle pour nous tirer dessus, donc il y a forcément un angle pour nous tirer dessus. Ah vache. Allez, allume. Ok. Ah, il y a une LRM qui est arrivée là, et une autre Spider là. Putain, la violence. MV continue de se faire défoncer le cul. Ok. C'est la merde. Ça c'est un ça, j'ai cru que c'était un char, mais non, ça va, c'est juste un vieux char. Ah, les RF6. Putain, les RF6, quoi. Debout. En arrière. Alors, vous. Shootez-les. Non, on va se faire... Au sol, de nouveau. Oh, la vache. Alastre, il s'est fait avoiner la gueule. Ah, putain, ils ont buté... Bon, c'est la merde. C'est la merde, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Très bien. On va peut-être du coup essayer de garder la caméra. Visiblement avec la caméra, on a quand même une meilleure chance de savoir où ils vont, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. All right. Ok, donc déjà là-bas, et alors du coup si on veut réactiver ça, il faut qu'on sorte et qu'on re-rentre, je pense. Donc allez-y, sortez, re-rentrez. Là du coup on va garder les armes actives pour être un peu plus réactif, on va rester en cours, on va essayer de les garder en mouvement. Allez-y. Non. On le rallume. On rallume et on va essayer de voir alors d'où sortait l'araignée. Donc la plateforme d'appui de feu, elle est là. Là, il y a l'araignée qu'on connaît. Là, elle est REM. Ici, il y a du petit homoncule. Est-ce qu'on voit les REF6? On voit pas les REF6. Donc ils sont quand même dans des positions possiblement planquées. Est-ce que ce serait plus discret par là? Ce serait peut-être plus discret par là. Hein. Ici, on a déjà fait ce chemin. On sait qu'il y a plus grand monde. Eux, on va les faire ramper, et on va les faire ramper jusque là-bas, et avec le MV, on va faire le tour par la route. On va voir si ça passe mieux. Ennemi spotted, où ça? Là. Une meute de loups qui se balade, très bien. Vas-y, va jusqu'ici. Eux, est-ce qu'on voit jusqu'où ils vont? Ok, là on a la spider qui nous a spoté. Eux, ils vont jusqu'où? Ok, ils remontent sur notre route. Il remonte sur la route qu'on veut prendre. Arrête-toi. Désactive ça.
Ah, y a une nuée derrière. Ok, très bien. Faut qu'on la laisse passer aussi. Passer dans leur dos. Vas-y. Embraye et roule. Merde. Ah putain, ils sont. Il y a des R6 ici. Très bien. En arrière. Ah la vache, on a attiré toute la zone quoi du coup. Et en plus on rate notre tir. Lamentablement. Ah non, c'est mort. C'est mort là, ici c'est mort. Ici du coup ça se passe comment? Eux ils nous ont vus. Ouais, vous étiez pas censé ramper vous? Il me semblait que vous avez dû ramper. Ah, j'ai dû double cliquer donc ils se sont levés. Ok, bon. C'est pas simple hein. Il se peut que du coup on change totalement de stratégie. A savoir, on va peut-être demander à Ardarin d'aller chercher les rats. Ensuite de s'occuper d'activer les trucs. Et une fois qu'on aura des tanks et compagnie, on va peut-être pouvoir faire un peu plus efficacement le boulot. Ok, bon de toute façon, on est sur essayer de trouver la stratégie qui va bien. L'infiltration, c'est sûr que c'est pas évident dans le contexte. Bon, du coup, vous deux, vous allez là. Vous sortez, on va réactiver les caméras. Enfin, quoique, non, on va essayer de se faufiler avec eux. On sait qu'ici, a priori, c'est plutôt propre. Le MV par là-bas. Allez, essayez donc de traverser la rue. Si vous traversez la rue, on sera bien. Vous. Oh putain. Il y a une autre plateforme qui arrive. Ok, très bien. Désactivez-moi ça. Et en arrière, au sol même. Pas être visible. Ok, apparemment, on a priori pas été vu pour le moment. Essayez de courir. Vous allez avancer par là en rampant. En rampant. Ah d'accord, en fait si je clique sur la map, il se lève quoi qu'il arrive. Et si je vais là, il continue de ramper. Ok, si je clique comme ça, ils y vont en rampant. Très bien. Bon à savoir, si on clique sur la map, c'est la merde. Les mecs se lèvent et courent. Ok, on a traversé la rue principale. Cette deuxième rue maintenant. On est dans l'impasse bientôt. Vas-y. Pas d'ennemis, excellent. Ardarin, hein, ils ont réussi à jouer fufu jusqu'ici. On va continuer de jouer fufu. Ah, ils ont quand même bien nettoyé, hein. 4 véhicules légers, 5 de transport, 3 véhicules de combat, 106 ennemis abattus. Je sais pas si c'est nouveau ça, j'avais jamais fait attention qu'en mettant la souris là, ça affichait les stats. Je vais passer le texte, hein. Hop. Ils discutent avec les intégrateurs, on sait, on leur veut, on prend leur contrôleur. Voilà, nickel. Et on va aller jusqu'ici. Vous remplissez toujours sur la route. On va aller jeter un œil à la case du coup. Aller jusque là d'ailleurs, ce sera mieux. Ouais, je pense que j'aurais dû garder la caméra. Il y avait des endroits qu'on voyait pas, mais tous les endroits qu'on voyait, c'était déjà... ça nous permettrait de voir les effets de...
des diversions et compagnie. Ok, là il y a du monde. Qu'est-ce qu'on voit? Au sol. Là il y a des homoncules. Et là, une araignée. Ok, donc avec juste Tardarin, ça va être tendu. Demi-tour. On s'est fait repérer visiblement. Ok, courez. Aïe. Réactivez-moi ça. Bim, voilà, ça c'est fait. Normalement ils sont capables de gérer ce genre de troupes tant qu'il n'y a pas trop de renforts qui arrivent. Alors attendez, là il y a quoi qu'on a vu? Ah putain, un truc de ravitaillement. Il fait son petit tour. Ici il y a de plus en plus de monde. Toujours de l'homoncule, une meute de loups. On est dans le bâtiment, ça devrait le faire. Il va où lui? Il sort de la map carrément? Ok, il sort de la map. On peut voir un tir là? Non, j'ai rien vu. On va avancer un peu avec le véhicule. On va essayer de l'avancer jusqu'ici le véhicule sans qu'il s'arrête. On va voir si ça passe. Un petit coup de main. Il ouais, y a deux unités de mon cul. En plus, ils ont de quoi avoiner. Essayez de nous finir celui-là. Focussez vos tirs. Est-ce qu'on peut sortir par l'arrière? Ouais, non, il y a trop de monde, quoi. Il y a trop de monde, hein. Comment on peut passer discrètement ici, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Le MV, il se fait péter le cul, hein. Alors, attends, vous... Vous sortez. Allez là-dedans. Ah oui, du coup, tu me disais pourquoi il tire pas, mais oui, c'est vrai que du coup, je lui ai interdit de tirer, tout simplement. Tant qu'il est en route. La plateforme d'appui de feu est en train d'arriver. On va reculer derrière le bâtiment. Pilote neutralisé, en flamme. Les saloperies sont en contact. Toi, viens au sol. Avoinez-moi ça. C'est la priorité. Ça pique. Ici du coup, on a une spider qui arrive. Là, ils sont tous morts. Ok, c'est la merde. C'est la merde, cette mission. Comment on va pouvoir gérer ça? Bon, je pense qu'il nous faut la caméra, déjà. Il nous faut la caméra, ça, il n'y a pas à chier. Il faut qu'on se concentre sur les endroits où on voit l'ennemi. Donc on peut réussir à atteindre les rats assez facilement avec Ardarin. Ça c'est le point positif, on va dire. On aurait peut-être dû prendre le truc... On y va en 5 minutes et c'est bon quoi. Bon, vous vous sortez. On va désactiver tout ça. Vous re-rentrez, on réactive les caméras et on va s'occuper des rats. Voilà. Hop. Non, ça n'a pas réactivé le. Merde, ça n'a pas réactivé le truc, j'étais pas suffisamment sorti. Là, on va aller. Alors, c'était sur cette route-là qui était passé le truc. Donc, on va aller jusque-là. Sans se coucher pour le moment. Alors, par contre, il faut qu'on désactive leurs armes, sinon ils vont... Non, restez là pour le moment. On va faire le tri tranquillement, on attend que tout le monde soit sorti là. Et on rentre. Voilà. On garde les caméras.
en route. On ressort. Ok, très bien. Ressortez et au sol, parce qu'il y a un truc qui arrive. Donc là, on voit à peu près ce qu'il y a dans le coin. L'objectif va être de progresser jusqu'au RATS, déjà, dans un premier temps. Ici, on voit rien, mais on a vu que ça ne voulait pas dire qu'il y avait rien. Hein. Le gros bâtiment qu'on voulait atteindre, c'était cet endroit-là. On a vu qu'il y avait des RF6 qui traînaient. Levez-vous et courez, il faut traverser cette rue. Tendu, hein. Tendu cette mission. Donc on y va en mode hyper léger avec du tout petit véhicule. Visiblement, on va pas pouvoir tout seul aller s'occuper de réactiver les Terminators. Ça aurait fait une embuscade correcte, mais là il n'y a aucune caméra, donc on voit pas du tout ce qui se passe. Allez, on peut aller jusqu'ici déjà. Avec vous. Ah, j'avais espoir hein, que le MV soit suffisamment rapide pour pouvoir faire les allers-retours, mais malheureusement on a vu que... La toute première fois, je suis quasi sûr que ça passait. On avait réussi à arriver jusqu'au RAT sans trop de problèmes, c'était le sniper qui avait activé l'araignée. Mais maintenant, on n'arrive pas, quoi. Il y a toujours des petits chiens qui traînent ou des saloperies du genre. Là, les chiens sont partis. Est-ce que si j'essaie de me faufiler, là, ça passerait? Alors, je vais sauvegarder, histoire de progresser à chaque fois un peu plus. Voilà. Si c'est ces chiens-là... Alors, là, il y a la mini LRM qui vient vers nous. Il y a les deux araignées qui sont en train de venir. Stop. Demi-tour. Désactive ça pour le moment. Parce que elle, je pense qu'elle nous voit pas. Elle est trop loin. I heard about you. You saved some of my... Look, you... Ok, on papote, on prend le truc, très bien. Alors, voyons voir, maintenant. Ce truc-là, qu'est-ce qu'il fout aussi proche? Parce que là, cette araignée-là, bon, ok, elle fait sa vie, mais lui, là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, il a rien à faire là, lui. Tire-toi d'ici, qu'est-ce que tu fais là? La LRM, elle a disparu de notre vision. Donc elle doit être dans cette zone. Là, il y a encore une plateforme de ravitaillement qui se balade. S'il lui recule pas, on est coincé. Ces deux-là, là, ils nous bloquent le chemin. Ok, la LRM fait son petit demi-tour, très bien. Et eux, ils restent ici. Parce que pourquoi pas. Très bien. Lui, il va faire son petit tour là et puis sortir de la map. Ok. La plateforme d'appui de feu s'est barrée. On la voit plus. Est-ce qu'elle remonte du coup? La LRM est là, l'autre Spider est là, celle-là ici c'est un peu proche. Ah, là il y a un arme qui est tombé, donc la plateforme d'appui de feu doit se balader. Ouais, elle remonte par là, ok. Maintenant si toi tu pouvais te casser, ça me ferait vachement plaisir. La nuit est en train de remonter, donc les chiens doivent être pas dans la zone aussi. Ok, intéressant, si on reste ici, ils disparaissent. Pourquoi pas. Donc là, on revoit la plateforme d'appui de feu, par contre, on voit plus l'araignée, donc elle a dû commencer à se déplacer. On va essayer de passer.
On va sauvegarder. Sur ça. Hop. Et on est parti. Alors je vois plus la LRM non plus, donc c'est risqué. Ça c'est quoi ça? Une plateforme de ravitaillement, et nous, on est où? On n'a pas d'arme activée, c'est bon. Je vois pas assez de trucs ici, ça me stresse un peu. Ah putain, elle nous a vus. Ah oui, on s'est même fait voir par celle qui est toute là-bas. D'accord, donc ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc passer en bas, je sais pas pourquoi ça avait aussi bien marché la première fois. Enfin, façon de parler, puisqu'on avait fini par se faire choper, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Je me demande si en faisant rentrer en premier les rangers avec du C4 à la place d'Ardarin, on aurait pu se faufiler. Ouais, se faufiler c'est chaud quand même. Alors du coup toi non, arrête-toi. Ça passe pas. Reviens ici. Oui, on va essayer quand même de les passer, si on peut les passer même si ça prend très longtemps. Ça peut le faire. Maintenant ici, est-ce qu'on aurait pu se faufiler, d'après ce qu'on voit? Se faufiler entre les tourelles, ça paraît tendu quand même. Ouais, même avec des rangers, j'y crois assez peu quand même. Toi, tu vas reculer. On va te garder par là. En cas de besoin. Et on va essayer de faufiler les cocos. Alors on va peut-être les faire courir un peu au moins jusqu'ici, parce que sinon... déjà que ça va prendre des plombes. Ouais, il y a carrément du char et tout là-haut quoi. La LRM est là, la plateforme d'appui de feu est là, c'est plutôt pas mal. On va voir parce que eux ils ont quand même un gros camouflage. Hein. Donc il y a peut-être moyen qu'en passant là genre dans les arbres là, ils arrivent à rester discrets. Et si on peut déjà amener ça pour renforcer Ardarin, ça me fera plaisir. Non, non, vous vous arrêtez pas. Commencez pas à vouloir tirer. Faire courir jusque là. Putain, la plateforme d'appui de feu revient vers nous. Non, elle se balade, ok. Elle fait sa vie. Nous, on court. Enemy sighted, où ça? Là, il y a une plateforme de ravitaillement. Ça, c'est pas grave. Le MV... Ces armes sont désactivées, excellent. On continue de vous faire courir, vous. Courez dans les arbres, là. Merde, j'ai vu qu'on avait tiré, là. Les snipers sont toujours cachés, par contre, vous, non. Du coup... Il y a lui qui se pointe, logique. On va tirer un mouvement. On peut rentrer dans ce bâtiment, éventuellement. Pour éliminer ça, mais il y a tout qui va arriver là. Là, il y a la plateforme qui vient. Eux viennent pas, pourquoi pas. Ok. Il y a qu'on peut mettre combien de monde dans ce bâtiment? 30 personnes. Allez-y. Il y a lui qui arrive là. Est-ce qu'on a quelque chose capable de shooter ça? Le snipe. Il y a portée de lance-grenade. Bon, admettons.
Ouais, mais on a tout le monde qui est en train de se pointer là. Sinon, ça va. Alors, rien que la plateforme d'appui de feu, on a clairement, on va être en galère. Hein. Et le MV, on sait que ceux-là peuvent le voir, donc de toute façon, on peut pas l'amener en renfort. Éventuellement, pour essayer d'amener Ardarin. Alors on les fait aller jusque là. Non, ils se font défoncer. Ils se font défoncer. C'est juste mort quoi. Là on a réussi à détruire ça, mais lui... Ouais, on perd tout le monde là. On perd tout le monde. T'as quoi comme portée avec ça? Si on vous met dans ce bâtiment là, vous n'aurez pas de vision. On a perturbé son système de rechargement, parfait, mais il y a des renforts de petits goûts qui arrivent là. Est-ce qu'on a moyen de tirer sur ça? Là c'est des roues qui arrivent. Il se replie. Bien pourquoi. Là c'est quoi qui arrive? Un truc de ravitaillement, ok, pourquoi pas. On lui a mis un petit missile dans les fesses. Waouh, on se fait dépouiller la tronche. Là on a deux unités de chiens qui arrivent là. Ils sont trop loin maintenant. On va one-er là. Pourquoi tu utilises pas ton lance-missile là? Attaquez-moi ça avec toutes vos armes, putain. Il est pile hors de portée, c'est ça? Putain, il s'est mis pile hors de portée quoi. Ça c'est bien joué. En plus on a perdu le snipe avec un laser. Je vais essayer de sortir le chercher, on sait jamais. Pareil, il s'est mis hors de portée des grenades frag. Ouais, non, c'est mort. Ok. Ah la vache, c'est incroyable cette mission, hein, j'avoue là. Avec juste ça comme troupe. Alors, je vais débarquer. Ouais, mais ils sont encore moins camouflés. Hein. On était bien là, ça se passait pas trop mal. Franchement, ça se passait pas trop mal. C'est les foutus chiens là qui nous ont détectés juste de passage. Qui nous mettent dans le mal. Sniper squad standing by. Copy that. Essayez de passer par là de nouveau. Alors du coup toi, tu t'arrêtes. One word, we'll blow them to hell. C'est sûr que niveau camouflage, c'est pas la même. Hein. Logique, hein, c'est un MV. Bon, quand il est arrêté, ça va. Arrêté, il tire pas, il reste relativement peu visible. Vous, essayez de vous envoyer par là, sans que vous tiriez. Pour que vous soyez éventuellement un peu plus à même. Peut-être nous donner une petite vision, on sait jamais. Sur le snipe. Là, du coup, si tu descends, toi, niveau camouflage, ça donne quoi les unités RPG? Parce qu'à la limite, si on se pointait avec, il serait quand même un peu plus efficace pour se buter les trucs. Camouflage, c'est pas si mal en camouflage, hein, en vrai. Alors non, bon, toc, toc, voilà, hop, hop. Change of position. On va essayer de courir dans la pampa. Camouflage est moins bon, mais... sur un malentendu. Vous essayez d'aller ramper jusque là pour nous donner une petite vision.
Snappers reporting. New target sighted. Enemy sighted. Enemy sighted, c'est quoi? C'est la plateforme de ravitaillement là. Order, sir. Relocating. Oui, il a pas son petit symbole de cachet là. Il y a quelque chose qui l'a vu. Find cover. Reporting. Get low. Tous au sol. Copy that. Yes, sir. On y va en rampant. Alors là, il y a la plateforme d'appui de feu qui fait des trucs. Infantry squad ready. Elle qui nous a vu? Non, elle nous a pas vu. Elle tire pas, on va rester planqué derrière. Ça c'est quoi? Une foutue plateforme qui sort de nulle part quoi. Un truc de ravitaillement qui sort de nulle part. Continuez d'avancer, lui tirez pas dessus surtout. Voilà. Ok, on a bien les petits trucs cachés. Une autre qui arrive là. Non, ça c'est une plateforme de transport. J'espère qu'elle va pas nous popper des unités sur la tronche. Allez, viens vers nous. Ok, il va falloir qu'on désactive les armes de tout le monde parce qu'on va devoir faire des moments où on s'arrête. Clairement. On va devoir y aller beaucoup plus lentement et tranquillement que ce que j'avais anticipé. Ça fait un peu chier, mais bon. Là, on est caché. Pour l'instant, on voit pas de chiens ou de trucs qui pourraient nous détecter. Là, il y a de l'unité légère, là. La meute de loup qui s'en va. Ok, pourquoi pas. Là, il surveille le carrefour. Est-ce que ici il y a un truc de sortie? Ouais, il y a un truc de sortie potentiel, ici, en plus. Hein. Pas rendu. On n'est pas rendu. Hop. Snapper squad standing by. Allez, avancez jusqu'à la maison suivante. On va devoir attendre que eux se cassent à un moment. On a repéré quelqu'un, je sais pas, je vois rien de nouveau sur la map de directement menaçant en tout cas. Si là il y a la meute de loup mais il bouge pas. On est quasi arrivé au carrefour, c'est plutôt cool. La plateforme d'appui de feu se casse. Enfin, non, elle manœuvre un peu, on va dire. Ah oui, y a celui-là qu'on a dû spotter, là. Très bien. Tranquille. Ah, la meute de loup revient. Attention. On est encore assez loin, ça va. On va se contenter d'avancer jusqu'ici et d'attendre. S'ils passent le carrefour, ils peuvent nous voir. Putain, même ils viennent carrément vers nous. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, putain. On est caché, on est toujours caché. On est caché, quoi. S'ils vont pas plus loin, ils nous voient pas. Ça, c'est quoi qui va vers nous, là? Des homoncules, d'autres homoncules, encore d'autres homoncules. Là, c'est une meute de loups. YOLO cette mission. C'est tellement tendu. On est caché à 20 mètres 2 là, dans les hautes herbes, en mode non, mais y'a personne, tout va bien. Pas de stress. Ok, l'araignée se barre. Si eux ne nous détectent pas, l'araignée nous verra pas. Pas trop peur de ça. Par contre, eux, faut qu'ils se cassent. Y a pas moyen qu'on les élimine discrètement, quoi.
Oula, ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? Ils font demi-tour. Ok, parfait. Allez, les gars, on rampe. On rampe jusqu'ici. Ça serait bien si elle pouvait décider de se barrer. Très honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir. Rangers ready. Et à tous les coups, on va arriver là, il y a un machin qui va nous popper sur la tronche. Ok, elle bouge. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche. Fuck. Non, elle passe à côté de nous. Les chiens sont pas partis très loin, ils sont juste derrière. Hein. Oh putain, il y a encore des loups là. Ok, pour l'instant, ils nous voient pas. On a réussi à avancer quand même. On est en train de doucement sortir de la zone dangereuse. Donc le MV, on va le laisser en arrière, on verra ce qu'on en fait plus tard. Si éventuellement on vient le ramener en renfort, il y a des loups qui arrivent là, mais si eux nous voient pas, je pense qu'on devrait être safe. Allez, faut traverser là en espérant qu'il n'y ait pas un truc qui nous pop sur la mouille. Ça ferait bien chier, on va pas se mentir. Là, il y a une plateforme qui se barre. Ok, on va commencer à progresser aussi avec Ardarin. Ok, on dirait que ça passe. On dirait que ça passe. Il y a le spider qui revient, mais normalement, il n'y a plus de raison qu'on se fasse détecter, en tout cas par ce pâté de maison là. Maintenant, il va falloir se débarrasser du reste pour progresser jusqu'à la casse. Ça va être une histoire d'arriver jusqu'à cette maison. Combien de gens on peut mettre là-dedans? 24. Okay. Une petite sauvegarde. Ah là là, la mission pas simple. Hein. Ça change un petit peu pour le coup. Je sais pas si c'est un gameplay aussi intéressant à regarder, mais en tout cas à jouer, c'est clair que ça met aussi un petit peu de sueur. Hein. Alors l'idéal ce serait que nos rangers, on arrive à les infiltrer avec leur C4, si cette tourelle pouvait être détruite genre par une diversion ou un truc du style. On pose nos C4, on détruit ces trucs là, on n'en parle plus. Bon, on va pouvoir s'installer pour le combat. Donc on a vu que si on avançait là, il y avait des machins qui sortaient. L'idéal ce serait que ce soit les rangers qui passent un peu devant éventuellement. En plus on a pile 4 charges de C4. Peut-être qu'on mette... Enfin, le problème c'est que... On a vu quelqu'un? Non, c'est toujours des trucs loin. Si on met nos ATGM ici... Le problème, c'est que s'il y a des trucs dans l'angle là, on pourra peut-être pas les viser. Pour l'instant, de toute façon, on reste en arme désactivée en rampant. L'objectif, c'est d'avoir une vision. Toi, tu vas aller jusqu'ici. Toi, tu vas aller jusqu'ici. Toi, tu vas aller jusqu'ici aussi. On va essayer d'avoir une vision sur ce qui nous attend. Pour le moment, on voit personne. La spider et la plateforme d'appui de feu ont bien reculé. La LRM est en train d'aller là, mais il y a toujours des loups qui doivent traîner dans le coin, là, c'est sûr. Il n'y a pas moyen qu'ils nous fassent une ouverture comme ça, quoi. Pour passer le Humvee.
Alors ça c'est un bâtiment faible, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on peut réussir à atteindre ce bâtiment? J'y crois assez peu, en plus il y a un truc de danger juste là. Alors les rangers vont nous donner une vision sur la gauche. Là il y a un truc mais... Là ça vient vers nous. Ouf, ça va passer proche ça. Reculer. Ok, pourtant on a les petits trucs. Ça a pas l'air de l'avoir perturbé. Ok, elle a entendu tirer, là le spider anti-aérien a entendu tirer. Alors du coup, si c'est comme ça... L'assaut est lancé d'une manière un peu inattendue, on va pas se mentir. Tout le monde par là. Vous, ça c'est du bâtiment faible, ça aussi, c'est un peu dommage, bah, là-dedans. Ah putain, faut que je réactive les armes, je suis con. Bien sûr. Sinon ça marche pas. Alors vous, non. Désactivez-moi ça, ça va être à eux de gérer. Putain, ils prennent cher. Alors bâtiment faible là. Ok, ça c'est fait. Y a quoi derrière? Des meutes de loups. Des meutes de loups. De la meute de loups. Ça, je vais essayer de le garder pour des trucs un peu plus gros. Qui pourraient éventuellement faire chier. Il y a des homoncules avec des sauts là. Ouais. Okay. Le bâtiment faible là, c'est une idée de merde. Sortez de là. Vous serez même limite mieux au sol, je pense. Au sol, voilà. Ok, on a éliminé les sous, il nous reste un loup là. Ok, il y a une plateforme de ravitaillement qui est sortie qui se fait allumer totalement gratos. Ok, courez. Ça c'est une nuée je pense, vu comment ça pète. Est-ce qu'on voit des trucs qui viennent vers nous? Il y a une araignée là. Là on voit plus les plateformes et tout qui étaient là. J'espère que c'est pas indicatif du fait qu'elle se pointe. Ça c'est quoi? Une araignée. Ok, une araignée anti-aérien, c'est pas grave, on prend le bâtiment. Alors vous, vous rentrez dans le bâtiment. Et vous essayez de me shooter cette connasse. Les rangers, occupez-vous de ça. Ah oui, il y a de quoi se faire potentiellement plaisir. Système d'artillerie, ah ouais, excellent. Celui-là, il peut pas se déplacer. Bon, on a déjà deux chars là, qui seraient à mon avis très intéressants à remettre en route. Ok, on a réussi à lui mettre... Non, merde, on a raté avec notre... Butez ça, vous. Voilà. Par contre, là, du coup, il nous en reste plus qu'un. Il va falloir qu'on aille ramasser... Celui qui est par terre là. Allez go. Vous par là, vous par là, vous par là. Vous allez chercher les munitions. Alors faudrait que les rangers restent un petit peu immobiles le temps qu'ils se soignent, mais. En attendant.
Donc là, on a refait le plan de saut, parfait. Vous allez rester là, vous. D'ailleurs, je pense que les snipers aussi vont rester là. Quoique, ils vont allumer tout ce qui passe sur la route. Non, non, on va pas rester là. On veut pas allumer ce qui passe sur la route. Ça, ça sera pas un hyper gros bâtiment pour se battre, mais c'est pas grave. Donc, comment on fait? Comment on fait pour réactiver les trucs qu'on veut réactiver? Message, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voyons à quoi servent ces contrôleurs. Ah, faut peut-être juste qu'on s'approche du coup. On va envoyer eux, là on va se soigner un petit peu. Il y a un truc qui apparaît fugitivement là. Est-ce que ça vient vers nous? De toute façon on peut pas les rentrer dans ce bâtiment. Ok, quand on s'approche, on a moyen de faire des trucs. Alors je vais regarder vite fait, il y avait un succès lié à ça. Tac tac tac. Non, ça c'était Nuevo Tortuga. Ok, c'est juste utiliser des robots. Très bien. Got contact with the core. Yeah, turn it on. Carrément, on active les chars. Yeah, turn it on. Et on a quoi d'autre? Ah mais on les contrôle carrément quoi. Ah oui, ça change un peu la donne. Je pensais qu'ils allaient être alliés et puis c'est tout quoi. Du coup, ça veut dire qu'on peut carrément activer ce truc-là, là. Et lui ordonner d'aller tirer sur ça. Et bah go, allons-y. Faudrait que tu te tournes par contre. Attends, toi, attends un peu, on va essayer de te garder en vie, dans l'idéal. Là du coup, on a plus de cœur là. Ouais, ouais d'accord. On a deux tanks et une artillerie, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Viens par là, laisse la place au char. Déjà, on vient de gagner un petit peu en force de frappe, on va dire. Plateforme de ravitaillement, bon. Ah oui, donc dès qu'on bute des plateformes, d'accord, ok. Très bien. C'est parti. Alors, je vais sauvegarder quand même. On a réussi à nettoyer cette zone. Donc l'objectif pourrait être de... d'essayer de ne pas péter d'autres plateformes, si on peut. Il nous avait dit aussi qu'il y avait des chasseurs qui arrivaient quand ils réactivaient des trucs, donc non, c'est pas ce que je voulais faire. Sur quoi tu tires, là? Je sais pas, mais t'as pété quelque chose. C'était pas une plateforme de ravitaillement. Je voulais mettre... voilà, les humains, on va les mettre en 1. Très bien. Les tanks en 2. L'artillerie, on lui a donné son ordre. Ah, elle a déjà tiré. Elle est en place, là? Ça a l'air d'être une précision de fifou, et niveau munitions, forcément, on est dans le mal. On n'a pas beaucoup de balles, hein. Il nous en reste 6, on va essayer d'avancer, voir si ça augmente notre précision. Arrête de tirer, je te demande d'arrêter de tirer. Qu'elle tire toute seule? Non. Ah ouais, ok, d'accord, elle tire toute seule. Et visiblement, ces tirs ne sont pas d'une précision exceptionnelle. Hein. Bon, t'as bientôt plus de munitions, arrête-toi.
elle tire sur ce qu'elle voit en fait. Il lui reste une balle. Bon bah écoute, tente un tir de nouveau là-dedans. Et puis après on verra, hein. Je peux pas la lâcher de toute façon. Je peux pas la lâcher. Mais nous on va essayer de se faufiler par là avec les humains. En envoyant les tanks plutôt par ici et par ici. C'est quoi du coup leur mode là? Épée, épée. Mode offensif, attaque les ennemis à portée de tir et les poursuit si la ligne est perdue. Ok. Oui, en fait ils sont en mode gros bœuf par défaut les mecs de Légion. Très bien, c'est bon à savoir. Je pense que si je vise celui qui est devant, il y a quand même une bonne chance qu'avec sa dernière munition, on puisse faire des trucs. Il y a des homoncules là, la tourelle. Ouais, lui il a plus de munitions. Pas grave, on va le faire avancer quand même. Y a pas de raison qu'il serve pas à encaisser les tirs, n'est-ce pas? Alors, toi. Bientôt on va pouvoir l'allumer. Avec les humains, on va se mettre un peu plus dans la pampa là. On voit pas, il y a des gens qui arrivent. Mettez-vous donc au sol. Ouh, il y a le tank qui a réussi à sniper la tourelle, ça c'est excellent. Pourquoi tu tires là? Attends, vous avez pas beaucoup de munitions, arrêtez de les utiliser pour tirer sur n'importe quoi. Je vais vous donner des ordres de tir, y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez passer là-bas, vous? Vous êtes obligé de... Alors ça c'est quoi? Une plateforme de ravitaillement? Alors faut pas la tuer. Toi là qui ne peut pas tirer de toute façon, donc on s'en fout. Vas-y, va progresser genre jusque là pour encaisser les tirs. On va essayer de courir avec eux. Ok, c'est géré. Il reste du monde derrière. Me dis pas que t'es... Non, t'es pas en train de tirer sur la plateforme. Non, putain. Non! Non, ne tirez pas. Halte au feu. Halte au feu. Non. Putain, ça lui a... Mais viens vers nous aussi, ce con. Merde. Ok, c'est la merde. Donc il s'en branle de mes ordres. Hein. Visiblement, c'est la thématique. Alors là on se fait tirer dessus par la tourelle. Bon, du coup... Toi, shoot-moi ça. Toi, shoot-moi l'araignée. Eux, ils ont réussi à passer de l'autre côté. Intéressant. L'objectif, vous, c'est de prendre ce bâtiment. Pareil pour vous. Vous, l'objectif, c'est de poser du C4. Alors, comment ça marche? Les squads posent des charges en endroit défini. Efficace contre les bâtiments faibles, moyens, l'infanterie et les véhicules. Alors, il y a du monde qui arrive. Là, il y a une plateforme d'appui de feu qui arrive, très bien. On va progresser avec nos tanks dans ce coin-là pour leur faire un petit peu de ventilation. Merde, là on se fait avoiner. Ah putain, par un... Il y a des arrivants dans le coin. Demi-tour. On va essayer de prendre... Ouf.
Ah oui, d'accord. Bah oui, bah c'est vrai qu'il y a aussi cette solution. J'avoue. En effet, putain, ils sont en train de se faire prendre par de partout eux. Ce serait bien, par contre, d'avoiner ça. Ok, là c'est la merde par contre pour eux. Alors, qui n'a plus de munitions? Toi t'as plus de munitions. Nickel. Tu veux pas aller essayer d'aller prendre les tirs? C'est quoi ça? Waouh, qu'est-ce qui nous a frôlé comme ça? Dans le bâtiment pour vous sauver la vie. Time for a real fight. Get all our people moving forward. You got it. Forward. Okay. Units advancing under the jet. No reaction. Anti tank support. What are all? Yes, sir. Attacking. Taking the shot. Une munition. Toi, tu veux pas te la faire là? Merci. Ah, là, on a perdu notre artillerie sans munitions. Alors, j'ai l'impression qu'une fois de plus, il y a un petit bug sur le bouton de réserve là. On va voir ce que ça dit. Il fallait en détruire que deux en fait. Donc, au final, avec juste les tanks, ça passe. Tiens, je vois qu'on a une nouvelle entrée dans l'encyclopédie. Ici, les plateformes de ravitaillement, d'accord, très bien. Par contre, je vois surtout que ça fait un méga épisode, je me suis un petit peu laissé prendre. Bah du coup, on va s'arrêter là, j'espère que ce long épisode vous aura plu. Désolé pour les tentatives et les retentatives, hein. Il fallait choper la bonne stratégie, c'était pas simple. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et la prochaine fois, bah, on essaye de lâcher toutes les forces, et on avoine ce niveau. Ciao ciao tout le monde.